Dans cette quatrième et dernière partie de nos balades dans les Alpes Mancelles, on va vous emmener avec nous au Haut-Fourché. Donc c'est un splendide point de vue, c'est à faire absolument. On va aussi faire une petite visite de l'église de Saint-Léonard-des-Bois et puis vous aurez plusieurs autres petites bricoles à découvrir. Je vous laisse regarder ça, je vous dis à plus tard. Nous voilà partis pour une petite balade en amoureux. Je vais vous montrer où est-ce qu'on va. On va grimper tout là-haut. C'est un joli point de vue, on l'a fait déjà hier ou avant-hier, je ne sais plus. Ça monte dur. Ça monte dur, mais c'est chouette à faire, c'est rapide hein, malgré tout, ça monte bien. Mais on a fait des balades plus longues, hein. En 1 heure on était rentrés. Nous voilà arrivés sur le petit pont à la sortie du village. Donc on repasse par-dessus la Sarthe. Et on va bientôt arriver sur le petit sentier. Donc en fin de compte, c'est le même sentier que nous, on a déjà pris là où on avait sauvé le canard. Donc c'est le même sentier, sauf qu'au lieu de continuer tout droit, on monte. Ce petit circuit au cœur des Alpes Mancelles permet de découvrir par un chemin sauvage un des plus beaux points de vue sur la vallée de la Sarthe et le village de Saint-Léonard-des-Bois, blotti au pied du plateau de Narbonne. Comptez environ 1 h 15 pour faire ce circuit d'un peu plus de 3 km avec un dénivelé positif de 112 mètres. Et je vous le dis, on le sent bien. Petite info, une fois en haut, vous aurez un panorama sur la butte de Narbonne qui se trouvait un ancien oppidum. Pour nous, ça a été l'occasion, vu qu'on y est remonté avec les enfants, de reparler un petit peu des Gaulois. Mais le pire est à venir. Oui. Ben moi je vois que je suis sacrément essoufflée. Là ça va un petit peu mieux, mais j'ai été malade. Et j'ai du mal à récupérer quand même. Donc la dernière fois, quand on a longé la Sarthe, on est arrivé de par ici parce qu'on l'avait fait dans l'autre sens. Donc on est arrivé de par là et nous là, on monte. Et là pour ceux qui aiment le vélo aussi, c'est pareil, c'est des bonnes pistes aussi. Et après ici, t'as le grand vélo ? Ouais. Vous voyez, là on continue à monter, mais je voulais vous montrer. Juste en dessous, là c'est la Sarthe. Et on va continuer à grimper. Ah, j'ai envie de prendre l'oiseau. Ouais, je suis sur son territoire. Ouais. Voilà, ça continue à grimper. Alors, les gens qui n'aiment pas trop la marche, très clairement, c'est pas le parcours pour vous.
que je disais, en termes de kilomètres, il est pas très long, c'est assez rapide, mais quand t'es pas habitué, c'est mort, vaut mieux oublier l'idée. La vue d'ici, comment c'est joli. On n'a pas fini d'en faire ça. Ça monte encore. Encore, encore. Il y a un bon dénivelé. En même temps, on ne peut pas avoir des beaux points de vue sans faire d'efforts. Hein. Ça se mérite. Donc c'est pas de ce banc là qu'on voit l'Ubu. Hein. Non, c'est plus loin. Là on va faire notre petite pause parce que je sais pas toi mon cœur, mais moi j'en peux plus. Ça tire sur les pattes. C'est la respiration. Par contre, quand t'arrives là-haut, t'en prends plein les yeux. Encore ici, il y a les arbres ici, que là-bas, t'as vu, c'est dégagé. Mais la vue est entièrement dégagée. Après, c'est normal, c'est là où il y a les deltaplanes et tout, la palette de si, c'est ça. Si, c'est ça, les deltaplanes. Si. Non, les parapentes. Les parapentes, ouais, qui partent d'ici, donc ils sont obligés de dégager au niveau des arbres quand même. Et là, tu pourrais pas, là. Voilà, on va un coup d'eau. Source. Ouais, elle est bonne notre source. Ouais. Depuis qu'on est là, on boit que celle-là. Elle est super fraîche. Et voilà, vous voyez, au point de vue. Et quand on se met là, on voit le parking où est garé Lulu. Quand on grimpe comme ça en hauteur, on prend vraiment conscience. On est tout petit, quoi. On n'est rien face à tout ça. Alors, il y a le trou là-bas, c'est là qu'il y a le parc, justement, qui a les dindes. Ouais. Je vais aller m'asseoir un petit peu. On a attaqué la redescente, on va aller rejoindre les loustiques. Avec des petites balades comme ça seules, des fois ça fait du bien. Ah ouais, on se retrouve. La descente, il faut faire gaffe de ne pas glisser avec les cailloux. Donc voilà, ça nous ramène ici. Donc sur la droite, ça monte en direction du domaine de Guiasso et puis Sainte-Sénéry. Et puis on reprend là, on redescend, on va arriver sur la Sarthe.
Alors nous, on sera plus là, on sera parti, mais le 27 et le 28 août, il y a un comice agricole. Donc je suppose qu'il y aura moyen de trouver plein de produits du terroir. Donc nous voilà de retour du marché de Camille. On a été faire 2-3 petites courses. Donc on avait déjà pris des glaces là-bas. Là, on a pris donc des œufs, du fromage, du jambon, de la crème, du riz au lait et des pommes pour faire un gâteau. Un gâteau, voilà. Et on va se régaler parce que le fromage, c'est pareil, on y a déjà goûté l'autre soir. Bah, puis c'est artisanal, quoi, tout ça. C'est, le jambon, c'est pareil. Si, la dernière fois qu'on a mangé avec Louis, rappelle-toi. Alors, ça fait plus cher, mais il y a la qualité. Voilà. Moi, je préfère en manger moins souvent et manger des bonnes choses. Ah, bah ça, c'est sûr. Et voilà. Allez, retourner à l'enfance. La casse m'a dessiné sur les carreaux. Oh, c'est du crayon exprès pour dessiner sur les carreaux. Les crayons gras. Les enfants m'ont embarqué dans un défi de traverser la rivière sur les cailloux. Donc je suis même pas à mi-parcours et je sens la gamelle dans la flotte. Désolé si ça remue. Il y a un chemin par là. Ah ouais, là je suis obligée de mouiller un peu les pattes quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour voir des petits coins sympas? J'ai traversé! Oui? Il y en a encore? Ouais, il faut retraverser par là encore. T'as vu un tétard? Wow. Je te laisse en premier. Et en fait, il y a tout un chemin comme ça. C'est génial. Il faudra qu'on mette les bails au bas et qu'on fasse. Faut pas appeler pas, non? Faut pas qu'il repasse plus. Attendez, je vais prévenir papa, vous tombez pas. Hein. Ouais. Au pire, ils tombent, ils seront mouillés, mais bon. Valentin se lève tout juste du plumard. Ça m'embêterait qu'il retombe malade de suite. Mon amour? Eh, il y en a encore plein des cailloux comme ça pour traverser. C'est vraiment génial. Celui-là, il est un peu chaud quand même. Hey, papa, il est loin derrière. Hein. Ah oui? Enfin non, il est derrière. Non, mais vous avez pas eu le temps de bouger.
Pardon. Oui. Il veut pas venir. Mais si, il veut venir. Il va venir, oui. C'est parce que là, il attend Noah. Il est parti fermer Lulu. Parce que du coup, on n'avait pas prévu de partir en expédition ce soir, mais bon. Avec des enfants. On s'est laissé tenter. Je pense qu'il y a eu de la montée d'eau. Il y a eu des voitures qui sont passées par ici. Mais il y a eu des montées d'eau. On va peut-être rejoindre papa vite fait. Ouais. Bon, c'est chouette en tout cas, les petits chemins en cailloux là. On va ici là après. Ouais. Quand bah, on verra. Moi, si je repasse, je vais peut-être pas le refaire. Hein. Bah, moi, c'est une aventurière. Moi aussi, je suis un aventurier. Allez, les petits vieux. Allez, les petits vieux. Non, mais ça va, non? Eh, oh. Et la petite vieille aussi, elle était malade. Comment elles sont moches. Elle est aussi qui est tombée dans l'eau. Espèce de biquette, va. Ah, il y a des chevaux qui sont passés. Ouais. Ah, tantôt on les a vus, tantôt. Ouais. Ils sont passés par ici. Ah oui. Maman vous a appelé quand on les a vus passer justement dans l'eau. Je les avais vus, mais deux, non. Bah oui. Et par là. Ouais. Et mon cœur, je crois qu'on arrive là où il y a le parking. Ouais, là où je quand dis, tu montes vers le domaine de Gasso. Je m'en rappelle. Ah. Ce qui est dommage, c'est que moi je t'aurais bien vu dans les cul. Ah non, j'ai pas envie. Allez. En plus, je suis en jean. Là. Si, non, si je tombe, je me l'étale après. Bah, il suffit de te changer une fois arrivé au camping-car, tout simplement. Moi, j'ai pas peur. C'est une aventurière, je passerai par là-bas. Oui, on l'a déjà fait. Est-ce que moi, au pire, les voies et salvo, on peut y aller? Imagine, tu tombes. Quoi? Imagine, tu tombes. J'aurais le kilo. Vous êtes les petits vieux. Non, on n'est pas des petits vieux, nous. Vous passez là-bas, si vous voulez. Moi, je passe par là. Et moi aussi, je passe par là. C'est clair. Je crois qu'on n'a pas le choix. Allez. Là, t'as pas le choix. Allez. Par contre, tu me feras le plaisir, ce coup-ci, d'essayer de tomber sur le cul. Allez. Ouais, c'est reparti pour un tour. Alors, qui c'est qui va tomber sur le cul, ce coup-ci? Salomé, tu vas passer devant moi, par contre. Hein? Comme ça, si tu tombes, moi je vous filme. Attends, je te laisse aller. Je vais avant maman. Attends, j'attends toi. Si jamais tu tombes, attends, je vais finir. Ça avance pas vite. Hein. Ah la vache. Vous avez peur, hein? Bah alors, Valentin, je croyais que tu étais un aventurier. Bien, papa. Bah et toi, qu'est-ce que tu fous sur le cul là? D'accord. Alors. T'as les jambes qui tremblent un peu quand même. Hein. Moi je dis ça, je dis rien, mais fais gaffe, ça peut être dangereux d'avoir les jambes qui tremblent. Eh papa, tu dis ça, mais toi tu es sûr qu'elle a fait la balade, ça sera. Oh, j'ai mal Bon, j'essaie de regarder où c'est que je vais aussi parce que à rigoler comme ça, ça pourrait être moi qui finis sur le cul. Ça se pourrait, papa. Ouais. Bah, j'ai fini les pieds dedans tout à l'heure quand même. Hein. Avec le premier caillou qui a glissé là. Bon, mon amour, tu veux pas me faire le plaisir de tomber sur le cul? Absolument pas. Bon, allez, s'il te plaît. Là, ça va, même si on tombe, on n'a pas de danger, c'est du gravier. Qu'est-ce que tu dis? Je dis Valentin, il a tout un cul. C'est le seul à être pieds nus, mais c'est pieds nus qui arrive le mieux. T'as une bonne prise sur le caillou. Ouais. Ah bah c'est sûr. On fait la pause. Tu pourrais te retourner faire un coucou quand même. Attends,
Quand on nous voit là, on pourrait dire des vrais gamins. Mais bon, ça a été conçu pour. Donc après tout, on peut en profiter aussi. C'est déjà arrivé, ma puce. Eh, c'est pas gentil de dire ça. Méchante. Ah, ah, non, pas encore. Eh, je te suis à la trace exprès. Ah, regardez quand même, même sans être en hauteur, on a une super vue quand même. Avec le petit courant comme ça qui passe. L'eau elle est transparente, tous les poissons on les voit à la surface. C'est super, joli petit point. Et voilà, après avoir passé à travers les cailloux, maintenant la patauge dans l'eau. C'est ce que je dis, elle est retournée en enfance. Mamie Salomé qui est encore en train de jouer dans l'eau. Ah, fais attention de ne pas te le faire tomber sur les pieds, Tom. Elle s'est fait un nouveau pote. Le petit bonhomme de Louis, un monsieur qui s'est garé à côté de nous. Sur le spot au guêpe là. Très gentil, on s'est fait deux, trois petites soirées ensemble. Sympathique. Allez, petite visite de l'après-midi. On va faire un tour à l'église de Saint-Léonard. Regarde Valentin, regarde le plafond là. Il est plus fini. C'est sûr. Mais quoi? Il est vraiment abîmé. Il a besoin de restaurer. Tu vois, il est décoré partout. Hein. C'est une sorte de siège, ça doit avoir un nom bien particulier, c'est pour prier. Tu te mets à genoux dessus et tu fais ta prière.
Tiens, regarde Valentin. Viens lire, c'est écrit ici. Viens regarder. Tu as lu ou pas? La foncière ville qui horloge réglise 1938. Donc en fait, avant les horloges, elles ne se réglaient. Non, faut pas toucher, Valentin. Avant les horloges, elles ne se réglaient pas toutes seules. Il fallait les remonter. Donc c'était avec ça. Non. On y va, chérie. On y va. Oh, merde. Ah, non, c'est des bourdons, non. T'inquiète pas, ça pique pas les bourdons, chérie. Non, non, voilà, la petite visite faite. C'est rapide, hein, les visites d'église. En général, on n'y reste pas très longtemps. Mais c'était sympathique à regarder. Ouais. L'extérieur, elle est vraiment très belle aussi. Là, ça a été révélé, on voit bien. Les vents qu'il y a et tout ça, ça a été refait. Je sais pas, la petite chapelle, tu sais, l'entrée du sentier au bord de la Sarthe, hein, s'il y a possibilité de rentrer dedans. En plus, il tombe avec toi. Est-ce que tu veux... Bah non, il y a des petits bras. Alors toi, tu vas pas à la chasse aux écrevisses? Non, moi, je vais à l'attention que j'ai conçu. Ah oui, je vais vous montrer ça quand même. Valentin nous a fabriqué ça hier. Il était content tout à l'heure en voyant que c'était toujours ici. Alors par contre, Valentin, tu fais super attention de ne pas te faire tomber une pierre sur les pieds. Hein. As-tu entendu, maman? Bien. Comment? Non, parce qu'il y avait une bête bizarre. Tu vois les pétards? Oui. De grenouille. Oui. Bah, enfin, ça, quatre pattes. C'est oui. Petit ou pas? Petit, petit, petit ou pas? Non, c'est pas très gros. Oui, rappelle-toi tes petites grenouilles que tu as trouvées à scier. Mmh. T'as vu, elles étaient toutes petites et pourtant elles étaient déjà formées. Oui.
parle des... Ta femme, c'est toujours la queue de rire. Oui, bah c'est un petit peu plus petit que tes petites grenouilles que tu as trouvées l'autre fois. Alors, comprends ? Non. Bah, y avait un truc avec quatre pattes. Ouais. Et avec, tu sais, une petite queue au bout. Ouais, au bout. Eh bien, c'est ça. Il m'a dit à papa, oh, c'est quoi ça ? Il est assez plat pour faire un ricochet, tu penses ? Ah oui, il est assez plat pour faire un ricochet. Oui. Super. Tu t'améliores, Salomé, tu t'améliores. Ah non, mais j'en ai fait plein, moi, là-bas. Il y a plein de cailloux plats. Bien en terre. On voit plein de petits poissons. J'essaye de filmer les petits poissons. Je ne sais pas si on les voit bien avec le téléphone. Ils viennent à nos pieds, ils n'ont pas peur. Avec Nico, hier, on rigolait parce que ça fait un petit moment qu'on cherche un terrain. Et Nico, hier, il faisait le coup, il disait ça, ça pourrait être pas mal comme terrain. Ah, c'est vrai qu'on serait tranquille, mais bon, moi, j'y vois quand même des inconvénients. Hein, l'accès, déjà. Oui, tu traverses l'eau, ouais. Qui nettoie les fonds. J'en sais rien, je connais pas trop grand chose, ma pauvre chérie. Parce que ça peut pas te demander, pas moi. Ah, mais même sans ça, tu serais quand même le plus fort au monde. C'est ça, les papas. C'est toujours les meilleurs. Et toi aussi, maman, c'est le meilleur. Ah, merci, ma chérie. Elle est partie, les colis. Je rigole. Non, elle est pas si petite que ça. Et
Et bien voilà, nous avons fini notre petite chasse aux écrevisses. Je tiens à préciser que cette chasse aux écrevisses avait un but purement ludique et éducatif pour les enfants. L'idée, c'était qu'ils puissent les observer correctement. Aucune écrevisse n'a été maltraitée pendant ce tournage. Elles ont toutes été remises en liberté. Voilà, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, comme je vous le disais en tout début de vidéo, c'était la dernière partie de nos balades dans les Alpes-Mancelles. Ceci dit, on sera amené à y retourner parce que déjà, c'est un petit coin super sympa qu'on a vraiment adoré. Et on a encore quelques balades à faire qu'on n'a pas pris le temps de faire. Il fallait vraiment qu'on y aille. Je travaille la semaine prochaine, donc pas trop le choix. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine en Mayenne. À bientôt !